Salut tout le monde, c'est Rookie. Je vais vous présenter en fin de vidéo, en fin de gameplay, une classe Chimera qui a été utilisée pour les WSOW 2023, donc les World Series of Warzone, notamment par un youtubeur et streamer connu aux États-Unis qui s'appelle Iceman Isaac, et qui a été utilisé par d'autres joueurs aussi. Alors je pourrais pas vous citer lesquels, mais en gros c'est une classe Chimera qui sert surtout de soutien sniper, mais qui peut aussi être très efficace à moyenne portée, et donc qui se prête bien à Chica Island. Donc voilà, profitez bien du gameplay, on se retrouve à la fin pour la classe. Et frérot, abonne-toi. Bah ouais, mets la daronne à l'abri et fais croquer les petits frères. Un drone de brouillage. On n'a plus de carburant. Retour à la base. Oh my god! J'étais nul. Hey, salut l'équipe, c'est Rookie. Du coup, pour la classe WSOW 2023 de la Chimera, la voici, la voilà. Donc chargeur 45 cartouches, parce que même si on est en solo, dans mon cas précis, il faut être à l'aise avec ses balles. Et puis pour les World Series, ils avaient besoin de 45 cartouches parce que, si je dis pas de bêtises, c'était en trio, donc c'était forcément nécessaire. Alors est-ce qu'on peut mettre plus? Non, de toute façon c'est le maximum. Ensuite, pas d'accessoires canon. En bouche, j'ai mis le SA Leveler 55 pour donc du coup... alors ça le dit pas, super, c'est bugué, mais en gros c'est le contrôle du recul vertical et horizontal comme le lockshot, mais en un peu mieux. Et avec un ajustement comme ça qui est stabilisation du recul et contrôle du recul au maximum, ce qui fait qu'elle bouge pas du tout, il n'y a pas besoin d'accessoire du canon. Et en plus on rajoute un canon, le SA Phoenix 10 pouces, qui lui aussi permet le contrôle du recul et aussi la portée des dégâts, la vitesse des balles. Et donc l'ajustement c'est le suivant, stabilité du recul au maximum et portée des dégâts au maximum. À cela on rajoute un laser pour la vitesse de visée, donc augmenter la vitesse de visée et donc diminuer le temps de visée avec un ajustement qui est le suivant, vitesse de transition de sprint au tir et visée accélérée au maximum. Et enfin, en viseur, on va pas mettre le l'AIM Pro V4, l'AIM OP V4 pardon, on va mettre plutôt un truc qui ressemblerait au mini GI Reflex sur Warzone 1, donc ça peut être tous les
tous les 5 premiers. En vrai, ça peut être les 5 premiers. Moi, j'ai une préférence pour le Chrono Mini Pro. Dans la classe qui avait été présentée par le YouTuber, c'était le Slimline Pro. Je l'avais jamais testé, donc je voulais tester. Le réticule est sympa, ça fait vraiment mini GI Reflex pour le coup. Et là, justement, donc vise accélérée et position lointaine au maximum. Voilà, voilà. J'espère que vous avez bien kiffé le gameplay. Je vous dis ciao, ciao tout le monde!